Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le premier épisode de cette toute nouvelle série dédiée à Pokémon Glazed, hack de Pokémon Emerald sur GBA. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. On se retrouve donc pour cette nouvelle série, comme vous voyez dans le titre, sera un Nuzlocke. Eh oui, Nuzlocke avec les règles de base bien sûr, hein. Premier Pokémon capturé dans chaque route et rien d'autre. Petit surnom, et si le Pokémon mort, au PC ou relâché, les règles, tout ça c'est dans la description. Je vous propose d'entamer tout de suite notre voyage dans ce hack. C'est bien. Bon, ça à la limite, c'est pas le plus important. Alors, on va déjà aller dans les options. Alors, rapide, tout ça c'est bon. On va juste se trouver une fenêtre bien bien kit. Déjà, celle-là, on a un gagnant. Celle-là, elle est pas mal non plus. Oh, oh celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Oh, elles sont toutes bien, en fait, celle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, tiens, on va prendre ça. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est parti. Il a plus l'air tout jeune quand même, le prof. On va quand même lui donner la voix façon professeur Seco. Bonjour, bienvenue dans la région de Tuna de Mvoigné. Alors bien sûr, si avant qu'on me le dise, ceux qui ne le voient pas, Tuna, c'est Donut. Alors bien, c'est Donut, l'espèce de beignet. C'est vrai qu'il risque d'y avoir des références au beignet. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce qu'il y a, la petite référence que je voulais faire. Je suis le professeur Willow, mais la plupart des gens m'appellent le professeur Pokémon, voyez. Voici ce que nous appelons un Pokémon. Donc, Tortipousse. Ce monde est largement peuplé par des créatures que l'on appelle Pokémon. Nous, les humains, vivons aux côtés des Pokémon, parfois en tant que camarades de jeu, et parfois en tant que collègues de travail. Et parfois nous associons et nous battons contre d'autres comme nous. Mais malgré notre proximité, nous ne connaissons pas tout des Pokémon, vous voyez. En réalité, il existe de nombreux secrets autour des Pokémon. J'entreprends des recherches pour découvrir les mystères des Pokémon. C'est ce que je fais. Es-tu un garçon ou une fille? Je dois admettre que je préfère la tronche du gars quand même. Quel est ton nom? Comment t'appelles-tu donc? Bien sûr. Babou? Parce que là tout va bien? Oui. Tu dois être le babou dont j'ai tant entendu parler, me voyez. Ok, es-tu prêt? Ta propre aventure est sur le point de démarrer. Donne-toi du courage et embarque dans le monde des Pokémon où rêves, aventures et amitiés t'attendent. Je t'attends plus tard. Viens me voir dans mon labo Pokémon, voyez. Et on démarre sur une route. Sans rien. C'est pour le moins particulier, mais en tout cas nous sommes là. Et il y a un péon qui est là. Alors je sais pas trop quelle voix lui donner, on va lui donner une voix un peu générique. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit comme ça? Je m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne. Je te ramène cette fois, mais et je t'expliquerai du mieux que je peux, ok? N'aie pas peur, je vais m'assurer que tu puisses rentrer chez toi sans problème. Mais le voyage n'est pas marrant du tout. Alors si on pouvait expliquer ce qui vient de se passer, c'est le bon endroit? Ah, notre personnage parle donc. Ma voix normale ne devra pas être utilisée pour un personnage. Oui, mais... comment? Je t'expliquerai plus tard. D'une certaine façon, tu as réussi à passer de ton univers au mien.
C'est une bonne chose que tu sois apparu si près de moi, sinon tu aurais été dans de beaux draps. Maintenant que tu es là, rien ne pourra t'empêcher de revenir. Fais attention et désolé, je dois partir. J'essaierai d'expliquer plus tard. Salut. Alors là, faut qu'on m'explique ce qui vient de se passer parce que c'était très bizarre. Bon, je suppose que ça nous a probablement expliqué pour un peu plus tard dans le jeu. D'ailleurs, je pourrais tout de suite en profiter pour donner ce petit message. Si jamais vous avez joué à ce jeu et que vous savez ce qui se passe, je vous prierai de bien vouloir éviter de spoiler les gens, moi-même y compris. Parce que l'une des parties, on va dire, sympas de faire ce genre de truc quand on ne connaît pas, c'est la découverte et de voir les réactions. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez ma tronche. Non, je n'aurais pas fait parce que j'aurais accepté ce spoiler. Mais pas de spoil, s'il vous plaît. Voilà. Je vais en profiter pour faire une brève présentation, ainsi que pour souhaiter la bienvenue à ceux qui, par hasard, ceux qui, on va dire, découvriraient la chaîne au hasard de cette vidéo, qui ne savent pas trop à quoi s'attendre. Donc bienvenue à vous, venez, mettez-vous à l'aise. Je vais me présenter à vous, donc Babouliné, 27 ans, et je fais donc, comme vous voyez, des let's play sur Pokémon Zelda, mais pas que. Et disons que dans mes let's play, je suis moi-même, c'est-à-dire que je dis un paquet de conneries, je fais des jeux de mots pas toujours très drôles, des blagues pas toujours très drôles et pas toujours bien placées, et parfois des imitations d'accents ou de personnes célèbres pour donner des voix à des personnages, parfois des voix qui ne collent pas du tout. Mais sachez que tout ce qui est imitation est toujours fait pour rire et pas pour se moquer, ce qui n'est pas la même chose bien entendu. Et pour les parents qui surveilleraient ce que regardent leurs enfants, il arrive parfois qu'il y ait des mots un peu grossiers qui sortent de cet orifice qui bouge là. Mais c'est pas non plus compulsif, ouais, je suis pas tout le temps à dire « Ah, faut que je dise des gros mots, blablabla », non, c'est vraiment, c'est sur le moment, un truc qui vient, bah, c'est le premier truc qui sort, et je contrôle pas toujours forcément, mais bon, je fais toujours de mon mieux pour essayer de dire autre chose, mais des fois, ça arrive. Et bien sûr, tout ce que j'ai dit ne changera pas, parce que sinon, ça voudrait dire que je ne suis pas moi, mais que, ben, voilà. J'espère quand même que ça vous plaira, que vous passerez un bon moment en ma compagnie, et en la compagnie, bien sûr, des autres abonnés qui ont fait le choix de rester ici, et que je remercie d'ailleurs. Donc, on se retrouve dans notre chambre. Est-ce qu'on aurait quelque chose à récupérer? Ok, donc l'heure est bloquée sur 19h14. Pourquoi pas? Il y a quelque chose d'intéressant à la télé? Non. Est-ce qu'on peut retirer une potion du PC, s'il vous plaît? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on l'a déjà dans le... Non. Est-ce qu'on l'a déjà dans le sac? On n'a rien. Très bien. Eh ben, du coup, on va sortir. On va voir un petit peu ce qui se passe. Voici donc à Glenwood Town. Ah, apparemment c'est nos parents. Eh, on a un papa. Babou, ravi de voir que tu es réveillé. Ton père et moi allons faire les courses à Chocotown pour aller acheter quelques trucs. Oh, j'ai failli oublier. Le professeur Willow a appelé il y a peu et il voudrait que tu passes le voir à son labo aujourd'hui. Tu dois y aller tout de suite. C'est mal élevé de laisser attendre quelqu'un. Je t'aime. Sois prudent. Et papa qui dit rien, qui suit du genre oui c'est bon chérie. Donc, je suppose que là, ça indique maison de Babou. On va voir un petit peu ce qu'il y a par ici. Springside Path, donc la voie printanière. Donc, on a des arbres qu'on ne peut pas couper. Que dit le chemin? Glenwood à gauche, ok. Bon, on va continuer avec la super vitesse, hein, vous voyez. Parce qu'on n'a pas les chaussures de course. Alors. Ah oui, c'est grand le coin. Donc, on démarre ici Glenwood. Donc, le canal de Loxley. North Coast Town, Icebound Chasm, Monstratus, je regarde un petit peu Palm Tree Resort, Palm Tree Park, South Valley City, Overseas Bridge, Cape Azure, Chocotown, c'est juste à côté, Mer du Temps, Milkshake Swamp, Ocean View City, l'île de la Sérénité, la baie turquoise, hein, c'est des noms qui donnent envie, hein. C'est des noms qui donnent vraiment envie. Geminite, Stormy City, Sorrel Strait, ah, la ligue est tout au sud-ouest, donc Chemin de la Victoire, Gorge des Cascades, ça c'est beau comme nom, Darkwood Town, Mer de l'Espace, Sunshore Beach, et là qu'est-ce qu'on a à côté? Reefen Isle, New Island, Olcan Isle, Colo Isle, Nitro Isle, Alpha Isle, Rain Isle, et ici c'est quoi? Evergreen Town, d'accord, en fait à côté c'est Johto. Donc il y a quand même des trucs qui ont changé, puisqu'il y a Route 39, bon, Forêt de Bambou, Route 48, Whitewood City, Evergreen City ça n'était pas, et ça c'est quoi par ici? D'accord, c'est la Ligue de Johto. Clairement, la Ligue de Johto était déplacée les plus au plateau Indigo pour je ne sais plus trop quelle raison. Bon, en tout cas, autant dire qu'on a du pain sur la planche si on continue par là. Bon, je suppose que le labo n'est pas là, mais je vais quand même aller voir ce qui se passe par ici. Le Cap Forland Cape, le Cap abandonné. Qu'est-ce que c'est ça? Sanctuaire Pokémon du professeur Willow. On n'entre pas sans permission.
fait, là, Wishop, c'est Pokémon. Allez, on est de retour à Glenwood, on va explorer un petit peu. Donc, toi, t'es toujours impressionné par la technologie. En fait, tu parles des réalités parallèles. C'est peut-être ça ce qui nous est arrivé, on était dans une réalité parallèle, ça doit être ça, je pense. Hein. Si tu parlais d'univers, en tout cas, yo. Ah, pardon, je peux pas te parler après par le comptoir. Ok, donc toi, tu parles des Pofins à Sinnoh, très bien. Ok, donc ton mari, c'est un cuistot. Que dit le panneau? Ça parle probablement de la ville. Où tout commence, logique. Faut tout recommence, en tout cas. Ok, donc par là-bas, on peut voir North Coast Town qu'on avait vu sur la map. Bonjour. On dit que certains Pokémon vivaient dans les arbres et qu'une attaque permet de les déloger. Donc bien sûr, c'est coup de boule. Ça, on le sait. Yo. Hé, tu as l'air d'être un protestant Pokémon débutant, je me trompe? Même si je vois que tu n'as pas encore pris ton starter, est-ce que tu voudrais que je te montre les... Ah bah oui, c'est toujours ça pris. Donc, Tortipou, ce Pokémon mini-feuille avec engrais. Donc, qui évolue en Buscar au niveau 18 et Torterra au niveau 32. Wistikram, le Pokémon chimpanzé qui a brasillé, qui évolue donc en Chimpanfeu au niveau 14 et Piscimabras au niveau 36. Tiplouf, le Pokémon pingouin qui a Torrent, donc qui évolue en Primplouf niveau 16 et en Pingolé au niveau 36. Lixie, le Pokémon Flash qui a Intimidation, qui évolue à Luxio niveau 15, Ultra niveau 30. Et enfin Riolu, le Pokémon Émalation, donc qui a Attention, qui évolue en Lucario lorsqu'il est suffisamment heureux. Bon, en tout cas, on a un sacré choix de certains. Vous savez, ce qui est bien, c'est que je pourrais m'arrêter maintenant et vous demander de faire le choix. On a les options. Mais bon, on n'a pas fini d'explorer la ville. Et comme vous le savez, on laisse le labo du prof en dernier. Ok, donc tu confirmes ce que dit ta fille, qui en sait, beaucoup. Ok. Alors il n'en reste plus grand chose à voir, je crois, on va parler à... Alors ça c'est quoi cette statue? C'est une statue de Germignon, Hérissandre et Caiminus. Ceci était les Pokémon... D'accord. Ces Pokémon étaient les Pokémon offerts à Toonot jusqu'à ce que le professeur Willow en importe de nouveau depuis la région voisine de Sinnoh. Attends. Donc du coup, Toonot se trouve pas très loin de Sinnoh. En même temps, Sinnoh, je sais jamais c'est quelle île du Japon, je crois que c'est Hokkaido il me semble. Avec les montagnes, je crois que c'est Hokkaido. C'est possible que ce soit ça géographiquement. Ok, donc voilà, toi tu expliques que bien sûr le labo Pokémon de machin c'est 5 ou l'autre. Ok, ce Pikachu a l'air d'avoir les glandes, ok. Yo. Ok, donc le passage forestier est pas loin d'ici, il y a des Pokémon sauvages pour probablement pour ça que le Pikachu est là de dire non. Allez, voici donc devant le laboratoire du professeur Willow. Et on va entrer. Bonjour. Alors tu sais qu'il a un ami qui s'appelle l'inventeur, très bien. Bonjour. Oh, c'est pas mal ça, vous voulez faire une machine de soins portable, c'est pas con du tout je trouve comme idée. Donc bougeons, blablabla, blablabla, avec un autre bon bouquin, et du coup, on va aller parler au professeur. Bonjour professeur. Tu arrives à me voigner, j'avais peur que tu ne viennes pas. Je pense que tu viens d'avoir ton licence de dresseur hier, alors je suis là pour te donner ton propre compagnon Pokémon, voyez. Cette machine a 5 Pokéballs, comporte 5 Pokéballs, choisis celle que tu veux. Assure-toi de bien choisir, ce sera ton nouveau meilleur ami après tout. Donc, on va les redécouvrir. On va bien sûr faire des sauvegardes d'état plus des sauvegardes dans le jeu. Alors comme il y a des problèmes de sauvegarde, je vais sauvegarder genre 2-3 fois pour être sûr. Juste pour être sûr d'avoir un fichier que reprendre, c'est pour ça que je aussi fais les sauvegardes d'émulateur. Et donc je vous rappelle vos 5 options. Parce que si on nous a nous arrêter là. Nous avons donc le choix entre Tortipus, Wistikram, Tiplouf, Lixie et Riolu. On va pas revenir en arrière, c'est donc sur cette image que je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. C'est le cas, n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien qui fait toujours plaisir à voir, je le rappelle. N'hésitez pas, n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire pour me dire lequel de ces 5 starters vous voulez que je prenne. Bien sûr, je prendrai le choix majoritaire, évidemment. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou même à parler à la chaîne autour de vous, c'est le cœur, vous dit tout ça, vous le savez. Et donc, en attendant le début de notre aventure avec le starter que vous aurez choisi, eh ben, je vous remercie une fois de votre soutien. Ne changez pas, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Bye.